Bonjour, rebonjour pour ceux qui nous sont restés sur le 106.2 Yahoo FM. Nous recevons un nouveau candidat pour les élections législatives, donc Adrien Théieux et moi-même Faïd Souhaili, et nous sommes en compagnie de monsieur Omar Abdallah. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Alors, monsieur Omar Abdallah, vous êtes candidat pour le Front National dans la circonscription sud, la circonscription numéro 2. Quel est votre parcours politique si on... Oh, mon parcours politique, c'est-à-dire moi, je dis toujours que le Mahorais d'abord, parce que ce qu'on voit ici dans notre pays, moi je vois quand même que c'est pas normal ce qui se passe. On est des Français. Il faut que toujours nous tous on profite ce que la France, ce que les gens qui sont en France ils gagnent encore ici à Mayotte. Et puis à propos du clandestinement, moi je crois que la France ici à Mayotte, ils jouent de tennis, c'est-à-dire l'État des Comores ils envoient, la France ils renvoient. Alors ça, nous les petits Mahorais, on n'arrive pas à suivre le mouvement français. Moi, je crois que la France se présente mal ici à Mayotte à propos du clandestinement. Parce que c'est très bien que c'est quelqu'un qui est venu, qui a pris une croissa, il arrive à Mayotte, il donne des séjours. Et au moment qu'il donne des séjours, vous croyez qu'il y a quelqu'un qui peut rester en juin? Non. Parce que eux tous, ils vont venir ici tenter d'avoir des cartes de séjour. Voyez la caisse à Kawini, je sais pas comment on appelle la maison qui est à Kawini là. C'est la CAF. La CAF, c'est pas les Maoris qui bénéficient. C'est uniquement les étrangers que aujourd'hui la France ou monsieur le préfet a donné un carte de séjour ici. Alors, on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur vos thématiques de campagne. Hein. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir l'investiture, à rechercher l'investiture du Front National, et est-ce que c'est la première fois que vous vous présentez pour une élection? Non, ben, avant, j'étais, mais c'est-à-dire, il y avait mon collègue qui s'appelle Amada Hossein, qui était, c'est-à-dire, moi j'étais soutien. Suppléant. Suppléant, quoi. دنيا هنقوي فروض شا وصما انتم وهنقو هنبي ووكا يا صما دنيا هنقوي فروض شا وصما انتم وهنقو هنبي ووكا يا صما وهندا وصوني لو سباب صما D'accord, c'était en... Ouf, ça fait... En 2007 Hein? C'était la candidature législative de 2007? Ouais. D'accord. Mm-hmm. Et pourquoi le Front National n'a-t-il jamais brigué un mandat local? Ah, je sais pas. Maendeleo yeneye nsia hatu Ihuwe ikeje majirani wa hatu. Vous, pourquoi vous... Il y a des votes pour les cantonales, pour devenir conseiller général, pour devenir maire. Pourquoi le Front National ne... Non, mais nous, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts parce que tout ça, ça demande de l'argent, mais faut pas se lancer comme ça au moment que soit tout ça. Il faut de l'argent. D'accord. Donc c'est un problème de financement des campagnes. Ouais, hein, ouais. Alors quelles sont les motivations qui vous poussent aujourd'hui à justement vous présenter? Non, moi je vois quand même que mon pays va mal.
au moment que mon pays va mal, il faut quand même qu'on se mette là-dedans pour parler, pour que tous les gens savent quand même que ce qu'on nous, on bat pour ça. C'est-à-dire, on bat pour que soit les Maorés, ils trouvent leur place ici à Mayotte. Mais on peut pas aller nulle part qu'on peut avoir des places. Alors, chez nous ici, qu'on peut avoir des places. Alors, on bat pour ça. Alors, justement, qu'est-ce que vous proposez donc pour permettre aux Maorés de voter pour moi? Oui, enfin non, qu'est-ce que vous aussi vous êtes élu député, qu'est-ce que vous allez proposer pour que votre programme puisse s'appliquer? Non, moi, à ma part, je crois que si les gens ont voté pour moi, ce que je vais faire ici d'abord, regarder les instituts, et puis, mais demander à la France de surveiller quand même notre pays, parce que c'est pas normal ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ce que je voulais faire, ce que je voulais aller demander à la France, de me donner de l'argent ou de faire une chose qui s'appelle brigade des côtes. Brigade des côtes, c'est-à-dire, il va embaucher des Maorés, que soit ils surveillent notre pays. Donc vous êtes pour une mesure qui renforcerait le contrôle des frontières, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Les frontières maritimes. Bien sûr. Alors, nous, par contre, c'est-à-dire, les étrangers sont bienvenus à Mayotte. Moi, j'aime bien les étrangers parce que ici, les étrangers, c'est pas les Français, non. Parce que les Français, nous, les Maorés, on a dit oui à la France. Alors, dès que le Français arrive ici, il est bienvenu chez vous. Chez lui, alors... mais moi, les étrangers que je parle, c'est les gens qui sont venus ici, sans papier, qui rentrent ici, et puis on sait pas quand est-ce qu'ils partent. D'accord, et puis moi, j'aimerais bien quand même que la France facilite des papiers comme quoi il vient 3 mois et puis il part. C'est-à-dire un renforcement, enfin une amélioration des conditions d'obtention des visas. Oui, des visas, ouais, des visas. Et par contre, un renforcement de contrôle aux frontières. Ouais. C'est ça? Tsingania muitendeza botsi hindu mbirigono ezaleozi waduzua. Ouais. Donc ce sont vos seules priorités ou il y a d'autres priorités dans votre programme de campagne? Non, il y a beaucoup de priorités parce que vous savez quand même que Mayotte, il manque beaucoup de choses. Alors nous, si le Maoré nous ont donné des pouvoirs, ils ont donné des pouvoirs, que soit aujourd'hui nous sommes élus, on va tout faire parce que vous voyez les retraités, ils gagnent rien. Les mamans qu'ils ont battu pour notre pays, ils ont rien. Alors aujourd'hui à Mayotte, dès que t'as une carte de séjour, vous êtes en priorité. Mais si t'as une carte d'identité, il dit, ça c'est depuis à l'époque. À l'époque, à l'époque, il y avait, comment dirais-je ça? C'est-à-dire. La collectivité territoriale? Non. Que les gens travaillent, mais ils gagnent rien. Et puis il y avait des... L'époque de la colonisation. Depuis la colonisation que les gens utilisent des cartes d'identité. Mais dès que vous demandez de travail, tu t'amènes une carte d'identité, tu trouves rien. Vous regardez Cora. Tous les boutiques, c'est pas les Maorés qui bénéficient. Vous allez à l'hôpital de Mamoudzou, les Maorés, ils gagnent rien. C'est-à-dire même des stages, c'est pas les Maorés. C'est les étrangers qui ont dit non à la France. Alors nous, au lieu qu'on a dit oui à la France, alors c'est quelqu'un qui a dit oui à la France, il prend mal. Celui qui a dit non, c'est là qui dit oui. Celui-là, c'est mon collègue. Alors c'est pas normal ce qui se passe dans notre pays. Mais est-ce que c'est uniquement la faute des gens qui ont choisi de ne pas devenir, enfin de ne pas, qui étaient contre Mayotte française? Est-ce que les élus que nous avons ne sont pas aussi responsables de cette situation? Non, les élus, nos mamans, ils ont un peu de responsabilité. Mais tu sais, chez nous ici, nos élus, dès que soit, ils ont trouvé des sièges, dès qu'il va aller à métropole là-bas, il n'a jamais dit non.
tout le temps, oui. Alors oui, ça nous détruit notre pays, quoi. Sirengenje mahamba zilambi aumbi ndonje mangorendo sawa ukinavu do utajiri wa roho tiwe. On manque, ils savent très bien parce que il peut pas aller là-bas dire à la France que il y a beaucoup de clandestins qui rentrent dans notre pays. On manque, ils profitent des femmes qui arrivent ici. Lendemain, la femme y arrive ici. Le troisième jour, il a une carte de séjour. Quand on demande c'est qui t'a donné, j'ai mon mari qui travaille au conseil général parmi les élus. Alors c'est vraiment, c'est de la honte pour notre pays et nos élus qui sont là aujourd'hui. Soyola sihala heya la randanda lende vale kazi sabuzi peza jua ya bungwendo vale. Alors monsieur Omar Abdallah, donc vous vous présentez dans la circonscription sud pour ces élections. Le gouvernement actuel prépare plusieurs projets de loi, notamment recrutement de postes supplémentaires dans l'éducation nationale. On parle de 60 000 postes qui seraient recrutés pendant le quinquennat de François Hollande. Est-ce que vous approuvez ou vous désapprouvez ? Non, mais ça, la France, ils peuvent faire parce qu'ils savent très bien. Ça, c'est pas pour les Maoris. Mayotte est quand même un l'école, front... il va faire des écoles, mais c'est pas les Maoris qui sont à l'école. Hein? C'est pas les Maoris. Mayotte est quand même un front de scolarisation important. Hein ? Mayotte est un front de scolarisation important. Il y a beaucoup d'élèves à scolariser. Il y a des problèmes de rotation. Il y a beaucoup d'étrangers scolarisés, mais c'est pas le Maori. Singania muitendeza botsindu mbirigono ezaleozi waduzua mtsunjilo na mobarani ubosi wahanura mulo. Siasa ya mahamiongo ya ndabono kari wa jinta iundwa ndono bongolo omiso wa ndohazi wa jinta. Siasa ya mahamiongo ya ndabono kari wa jinta iundwa ndono bongolo omiso wa ndohazi wa jinta. Kumbeni wa shiwe adui na lale monze emfahandui. Kumbeni wa shiwe adui na lale monze emfahandui. Elale onale de pari la mwami emkoloni. Et puis c'est nous, chez nous ici à Mayotte, qu'on peut trouver quand même un clandestin de troisième étage jusqu'à septième étage, étoile quoi. Alors de troisième, j'ai pas très bien troisième compris. Étoile et septième étoile. Quand vous allez à métropole ou bien à la Réunion ou quand vous allez à l'hôtel, vous cherchez des maisons, des maisons, c'est-à-dire de l'hôtel de troisième étage, étoile ou septième étoile. Alors ici, on a que des étrangers qui sont ici des clandestins de troisième étoile jusqu'à septième étoile. Oui. Dès qu'il arrive ici, c'est la France qui propose que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Une carte d'identité? Ou une carte de séjour? Ou une carte de réfugié? Des nationalités? Il y a quand même beaucoup de reconduites qui sont faites, la loi française, comment dirais-je? La loi française, elle oblige, en fait, à ce que tous les enfants soient scolarisés. Qu'ils soient français ou pas. Parce qu'ils savent ce qu'il fait à Mayotte. Ils savent ce qu'il fait à Mayotte. C'est pour cela qu'il dit que tous les enfants doivent rentrer à l'école. Parce que, ce qu'ils cherchent, les étrangers qui rentrent à Mayotte, c'est quoi? Hein? Pour mettre ses enfants à l'école? Pour que soit une femme qui est enceinte là-bas de six mois, ils courent vite pour venir à Mayotte parce qu'ils savent quand même que ici, dès que l'enfant est né ici, le lendemain, il va trouver des papiers français.
Hein? Alors, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, le gouvernement précédent avait élaboré au premier plan une loi sur le droit du sol pour, comment dire, pour remettre en question le droit du sol à Mayotte. Est-ce que vous seriez pour une remise en cause du droit du sol à Mayotte? Non, le droit du sol, il faut qu'on le fasse ici, que soit il n'y a pas. Parce que c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'un enfant qui naît sur le sol français a la possibilité de demander la nationalité française à sa majorité. Non, mais c'est un système français. Buzungua sampanya wadisi za mahata ngwambo koja ikabi ahondari wabe uhe wahamevo yasisa. Et est-ce que c'est par rapport à ça, est-ce que c'est tous les élus qui ont dû passer ou ceux qui sont là, est-ce qu'ils ont mal expliqué ça au gouvernement français ou est-ce que c'est les autorités françaises qui ne veulent pas comprendre? Non, les autorités françaises, ils voulaient pas comprendre. Parce que, regarde notre pays aujourd'hui. Quand on construit une maison, c'est comme qu'on construit, comme vous allez, comme vous êtes à Machicavo, là-bas à Machicavo, il faut mettre des barrières de ferraille partout dans les maisons. Alors, là, les Maoris sont pas tranquilles. On n'est pas tranquille chez nous. On n'est pas tranquille chez nous. Et alors, à Mayotte, il n'y a pas de, ici, nous, on n'a pas de sécurité. La France, il nous mentit. Vous voyez les jours que le président d'Anjouan est passé ici. Monsieur Ali, comment ça s'appelle? Mohamed Bakar. Mohamed Bakar. Vous voyez ce qui s'est passé ici, à Mayotte? Il y a uniquement les clandestins. Ils ont frappé les Maoris, ils ont frappé les Maoris et les Muzungu. Sirengenje mahamba zilambi aumbi ndonje mangorendo sawa ukinavu do utajiri wa roho tiwe. Alors c'est nous qu'on fournit à ces enfants d'aller des bus pour aller à l'école, à l'hôpital gratuit, tout ça, hein, et puis ils osent nous frapper. Alors, quand on voulait agir, la France dit, oh, moi, je suis là. Alors, c'est pas vrai. Parce que la France a violé notre grand-mère. Sirengenje mahamba zilambi aumbi ndonje mangorendo sawa ukinavu do utajiri wa roho tiwe. Alors, il y a un autre problème qu'a rencontré Mayotte assez récemment, c'est le problème de la lutte contre la vie chère. Comment vous vous positionnez pour résoudre ce problème de lutte contre la vie chère? Moi, contre la vie chère, moi, je peux vous dire, là, faut pas cacher la vérité. La vérité, c'est pas bon à dire, mais faut dire toujours la vérité. C'est-à-dire, nos élus qui s'étaient avant, au moment qu'ils ont fait des crédits dans les grandes boutiques, ils vont là-bas. Vous me connaissez pas que je suis député. Vous allez dans les grandes boutiques, vous me connaissez pas. Ben, je vous connaissez pas. Je suis le maire de tel village. Ah, alors qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin des ailes. Moi, je peux vous donner 5 cartons de chaque. Ah, ajoute 30 et de la bière ou de vin. Pendant tes mandats, t'as pas payé. Alors, tu peux aller demander à le propriétaire de baisser le prix au moment que vous me donnez de l'argent? Non,
Tu ne fais pas. Vous voulez dire qu'il y a une certaine pratique électorale à Mayotte qui fait que les grandes distributions s'entendent avec les candidats potentiels? Bien sûr. Alors ça, on n'aura pas de problème. On a toujours des problèmes. Parce que moi, si je suis venu un député, des gens comme ça, moi je négocie pas. Il est dans mon pays. Parce que un gars qui arrive ici, il voulait ouvrir une boutique. Il est pas comme les enjoignés là qui amènent des sacs Si dengenje mahamba zilambi aumbi ndonje mangorendo sawa ukinavu do utajiri wa roho tiwe. Tout le temps. Mais il va à la mairie de Mamoudzou, il va au conseil général, il va à la préfecture pour demander des papiers. C'est eux qui signent le papier, disent oui, on est d'accord. Alors aujourd'hui, ils ne voulaient pas négocier. Moi, je dis allez, dégage, je prends un autre là-bas. Je vais tout de suite demander des gens là-bas à La Réunion ou à Métropole s'il y a quelqu'un qui voulait venir ouvrir une boutique à Mayotte. Mais c'est pas comme ça. Il est dans mon pays, il est plus heureux que moi. Il décide à ma place. Non. Alors, autre sujet, en fait. On sait que le Front National n'est pas forcément bien vu parce que on entend souvent, on dit que c'est un parti raciste, que c'est un parti qui aime pas les musulmans. Donc vous êtes à Mayotte. Qu'est-ce que vous pouvez dire, en fait, aux gens qui disent ça? Non. Tu vois, même là, que le Maoré, ils ont des problèmes. Nous, moi, je dis le Maoré d'abord. S'il y a des gens qui disent que je suis raciste, je m'en fous. Je suis dans mon pays. Il y a beaucoup de gens qui rentrent sans papier. Ils voulaient pas que je parle de ça. Si vous demandez tes biens ou vous défendez tes biens, tout le monde dit que vous êtes raciste. Hein? Alors, question de racisme, c'est quoi? On est à Mayotte, on est plus raciste que les enjoignés. Si dengenje mahamba zilambi aumbi ndonje mangorendo sawa ukinavu do utajiri wa roho tiwe. Demande, est-ce qu'il y a un Maoré qui a un terrain là-bas ou une maison? Non. Non et non. Alors, s'il y a quelqu'un qui dit que Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, ils sont racistes, ou le Front National, ils sont racistes, on n'est pas racistes. On défend nos biens. D'accord. Donc j'avais une autre question, c'est que lorsque le président hollandais. Allô, va nous ça arme radio, va nous ça fait une soirée ça arme radio là. Donc mon cher Faïd, notre candidat est occupé 2 minutes, oui. Donc le voilà qui revient. Donc lorsque le président Hollande est venu à Mayotte, il a parlé d'agrandir le centre de rétention administratif. C'est une mesure que vous soutiendrez si vous êtes élu au Parlement. De quoi s'il vous plaît? Agrandir le centre de rétention administratif, construire un nouveau centre et plus grand. Ben, faites attention à les gens. Tu voulais que soit aujourd'hui devenir président ou devenir un président parce qu'il donne beaucoup de projets. Alors, des projets, ça aboutit pas. C'est-à-dire, il faut faire attention. Je peux vous poser une question? Oui, allez-y. C'est-à-dire, vous pouvez me demander, je vous demande des questions. Est-ce que les élus comme celui de Sada, là, il s'appelle qui? Ibrahim Aboubakar. Non, c'est pas Ibrahim. Les sénateurs. Les sénateurs. Tani. Et le maire de Mamoudzou. Et Abdou Latif. Les gens, là, s'il va aller à Métropole, comment on l'appelle? Des Français? Hein? Non. Ils s'appellent les représentants. Allez, oui. Ils s'appellent les élus. Et puis, il s'appelle le parlementaire.
Je vais vous traduire en chimaoré. Lazima riziba dili, mozashinda wingi, lazima riziba dili. Le parlementaire. C'est-à-dire le parlementaire, c'est un gars qui dit qu'il ment, c'est des gens qui mentent, il ment les maoré, qui ment, qui dit il dit pas la vérité. Alors faites attention à les gens comme ça. Alors, je pense que nous avons bien compris votre message. Nous arrivons malheureusement à la fin du temps qui nous était imparti. Donc, nous avons enregistré votre candidature. Une toute petite dernière question, peut-être. Votre slogan ? Mon slogan ? Le slogan de campagne ? Ah ben, moi... C'est-à-dire, vous demandez où que je vais aller où... Non, juste le petit mot de slogan. Non, de ben, moi, je demande toujours à le Maoré de me donner la confiance de voter pour moi. Mais moi, je vais battre que le Maoré, un Maoré, trouve sa place ici, chez nous, ici. Parce que nous, le Maoré, on ne peut pas aller nulle part trouver notre place. Il y a uniquement chez nous ici qu'on peut trouver notre place. Alors, moi, je demande toujours à le Maoré de me donner la confiance. Comme ça, on va battre tout. On va battre contre le clandestinement. On va battre le justiciaire. Il faut qu'il gagne ce qu'il demande à la France. Mais ce n'est pas normal. Nous sommes tous des Français. Merci, monsieur. S'il y a le Français qui gagne des choses là-bas, nous, on est des Français, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne. Comme les Français, comme les Réunionnais. Merci, monsieur Omar Abdallah. Je pense que c'était le mot de la fin. Merci. Mon cher Faïd. Merci de nous avoir écoutés donc, sur le 106.2 Yahoo FM. Nous étions avec monsieur Omar Abdallah, donc, qui est candidat du Front National dans la deuxième circonscription. Et nous nous retrouverons pour une prochaine émission avec d'autres candidats. Merci. Manasoma tarehe tipuzi akili irumie boa oba ya dunia itijo uheza shihaya Itije uheza shihaya Ekanga we mnamsi jina mzeza avira jana msomo wa leo Enaza mangizo na mwingizo Gizo na mwingizo Sirenge njema wamba zilambi au mbindo njema ngorendo Sawa ukinavu do utajiri wa roho tiwe Hey, Juju Mkala.